Bonjour, bonjour, mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Eh bien, bienvenue l'autre fois encore sur plateforme, non? Et c'est un immense et réel plaisir pour nous capables de rejoindre, nous, pour nous continuer à parler de ça qui fait actualité en Haïti, tant qu'au dans le pays l'étranger. Mais pour aujourd'hui, hein, nous pourrons seulement et baser sur Haïti et République dominicaine, pour ne pas dire plusieurs autres pays dans le monde là. Mais comme étant, nous connaissons que nous avons un challenge qui est relancé depuis quelques jours. Et on va cliquer sur le lien qui est en bas dans la description vidéo ça, là, vous directement sur plateforme qui va dire comment pour remplir formalité pour gagner 100 dollars par. Voilà. Et nous gagnons un ministre des Affaires étrangères et haïtien qui gagne visite pour lui faire en République dominicaine. Dans le jour qu'a venu là, yo, visite ça a duré une semaine. Et c'est juste pour capable formaliser ou bien régler une série de détails concernant papier et documents que le président Jovenel Moïse dit plus de 3 millions haïtiens, que ce soit en d'un pays ou hors pays, pas gagné document. Et il dit que quel que soit côté où il y a dans le monde là, la bas ou document. Mais pour les gens qui en République dominicaine, yo, eh bien, ministre, là, pour entrer dans le jour qui va venir là, yo, la durée, on se met, et ma va faire nous connaître qui joue la pentrée, et combien joue que la fait, et dans telle ou telle section. Et ceci, ministre, là, moi, pour tes vidéos, pour nous, côté que, il a fait interview avant de les déplacer, et il dit que, question 4 d'identification nationale, il parlait de passeport, et puis tout un paquet de formalités au bail, comment pour capable améliorer conditions passeport. Et sans que nous pas perdre du temps, m'a quitté ensemble avec et ministre Day, eh ben c'est lui-même qui chargé pour régler question haïtien yo qui vivent dans pays l'étranger. En entendez avec un pile attention, li pas trop longue. Au contraire, moi j'ai pour me voyager dimanche là avec collègue moi et docteur Claude Joseph et nous aller en République dominicaine pour une mission qui a duré à peu près 7 jours. Et c'est justement parce que le président a passé des instructions pour nous créer une synergie là, pour que nous invitions toutes les instances concernées qui supposé occuper de l'identification, de passeport, de casier judiciaire et tout, pour nous mettre tête nous ensemble là, pour nous résoudre le problème ça une fois pour toutes. C'est pas une affaire de ces affaires étrangères ou c'est mal, parce que jusqu'à présent, en tant que ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, moi, comme si d'ado concerné en premier chef, le gain haïtien qui a souffert dans le pays étranger. Alors, le président m'a demandé pour une synergie. Et il y a une task force là qui montait là, et puis et nous commençons le travail, au cas où est que, et pour résoudre une série de problèmes là toujours, déjà me montrer que nous tellement bien avancé dans une collaboration que moi gagne avec ONI, moi j'ai entendu déployer le matériel dans l'aéroport pour permettre. Nous allons parler sur ça, on continue avec les services. Grand pile haïtien qui vivent à l'étranger, qui jusqu'à présent, pour qu'on arrive identifié comme citoyen haïtien, en pile là-dedans, a exhibé des fois passeport, bon, c'est vraiment qu'à comprendre, mais gagner tout qui pas gagné du tout. Donne par exemple, citoyen qui en République dominicaine. Finalement, comme ces haïtiens qui vivent à l'étranger, comment nous capables de faciliter et permettre que citoyens, les gens qui vivent à l'étranger, yo doté de une pièce qui a clairement identifié comme haïtien, il n'est pas forcément obligé de passeport. Et écoutez bien, je pense que dans le déplacement que moi je suis supposé faire là, hein, et il y a des instructions claires qui passaient, parce que je crois que dans la semaine, le président de fond tourner dans l'ONU. Et au contraire, je pense que c'est parti ça, hein, c'est moi-même qui prends le plus et parler sur lui dans la République dominicaine non, pour que nous connaissions exactement comment nous pourrons organiser nous pour nous capables d'identifier et en pile compatriotes nous qui en République dominicaine. Et ce n'est pas seulement en République dominicaine. Et problème dans tout côté, gagné. Problème dans tout côté. Et moi, non, moi, ça fait un bon République dominicaine parce que vous connaissez, pour les États-Unis d'Amérique, contrairement à la chance à la tête qu'on y a longtemps,
minimum c'est que mon nom un document quand même. Il va oublier pour la République dominicaine, n'importe quel cafonti jambé là passant bas fil dans le wagon, il a même tout aller. C'est ça qui fait comme si je me focus sur la République dominicaine, surtout on est Chili par exemple. Chili, on regarde au moins tout haïtien qui allait Chili, en pile là-dedans, on gagne un document de voyage, quand même un passeport. Mais en République dominicaine, on a besoin de nez quand il filé. Mais pendant que je dis ça, il faut qu'on garde les chiffres parce que je dis à Guerrier, pendant que je parle là, et 87% de la population étrangère qui a vécu en République dominicaine dans sa haïtienne liée, ça veut dire que ce n'est pas nous deux haïtiens que nous avons l'autre bois. Alors, le NAP dit 87%, on a parlé de presque 875 000 personnes qui ont recensé en République dominicaine. Qui c'est des citoyens et de l'autre pays, haïtiens, occupés 87% dans 875 000 personnes. Okay. Ça veut dire que ce n'est pas deux personnes qui ont parlé là. Et maintenant, pour que vous connaissiez un programme et dans le temps, que vous avez essayé de faire l'autre bois sous l'administration président Martelia, qui était identifié un paquet là-dedans, à travers le programme, vous avez les PIDIA. Okay. Et je dis à la gagne des marches qui ont fait là pour que sinon tu es capable de river l'autre bois. Mais ce n'est pas pour oublier que quand j'en ai parlé que le gouvernement a oublié le monde, ce n'est pas ça qui a prévu là. Bagaille, tout bagaille vient avec des mises en place, qui ont des coûts, qui ont des logistiques qui pour déplacer. Et ce n'est pas un débat où on a éclevé ou à le faire. Mais moi, je connais que je dis à la. Nous travaillons pour que nous arrivions sous mon yo. Et moi, le déplacement qu'a fait là, c'est justement garder nos pral, garder faisabilité. Ça, hein? Parce que faut que nous réagissons ça. Et moi, pensais que nous avons le Chili, moi avec le ministre Claude Joseph, je pensais que nous avons le Chili en vain. Et Saint-Domingue, nous tourner en urgence là. Après Saint-Domingue avant, après ça pour aller au Chili parce que voyage Chili a été préparé. D'ailleurs, actuellement là, c'est Chili me dédouille. C'est parce que Vingé a eu l'autre développement dans la situation qui fait que le ministre Joseph vient décider plutôt en garder qui j'en sais Santo Domingo. Et puis de là étant, nous capables de garder comment nous sommes. Et je dis déjà, Haïtien chez le capitaine Demio, hier matin, j'ai gagné une longue conversation avec le directeur général Onia. Et monsieur Dimon, il paraît lui-même pour le déployer et Saint-Domingue pour commencer à faire et code d'identification et unique là pour Mounio. Et pendant que je suis allé là, je m'ai tout gardé pendant sous place là, qui beau, et surtout dans la bataille côté haïtien, est-ce que nous sommes capables d'entendre nous avec Moun qui comme si pour prendre la parole si vous pouvez mettre des espaces disponibles pour nous, pour que nous t'avouer des équipes pour aller commencer à identifier Moun Sao en attendant que en dans le consulat, Kagayen et une autre équipe qui a fait pour Moun qui a venu dans le consulat pour faire. Nous avons travaillé sur Bagayo, mais où qu'on est, guerrier, et Bagayo juste pas facile. Mais nous travaillons sur bagaille et je pense que la disposition prend là et n'a pas avancé. Il y a un call center en dedans, ma valeur écoute, mais est-ce que nous pas trouvé, par exemple, l'État intéressant et important pour que le ministère là a joué une diaspora? Ça veut dire que ça, c'est que même le ministère des Affaires étrangères a gagné des consulats, des ambassades. Est-ce que côté qui gagne et agglomération, bien forte agglomération haïtienne, est-ce que nous pas ta un petit gens présents dans la zone ça, je vais citer par exemple, République dominicaine, nous avons deux, trois gens quand même ma qui là, Chili, Brésil, États-Unis d'Amérique, Canada, est-ce que vous pas trouvé que proximité est capable de bailler des résultats tout? Mon cher, tout bail c'est budget. Parce que je dis à la, et si je t'ai décidé, parce que nous avons le ministère de l'Intérieur, il y a des agents que les vous justement en dans et on sérieux de consulats. Et nous sommes capables d'explorer, faire même bagarre là tout. Mais qu'on y a un grand fait de budget qui j'en ai pas le payer, mon yo capé pratiquement l'autre bois, qui statue à gain. Et c'est des bagailles que moi j'ai essayé de parler là avec le docteur Claude Joseph déjà, et qui c'est ministre des Affaires étrangères là. Et nous avons regardé pour nous si nous sommes capables, ou si nous sommes capables de gagner des représentations du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger.
et quelque part. Mais il y a des gens qui m'ont songé premier vidéoconférence que j'ai fait avec les concitoyens au Chili, parce que j'ai une organisation qui t'a invité à participer à nos vidéoconférences avec eux. Je me suis demandé pour me mettre un bureau MAV au Chili. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas une bagaille que le monde a écrit ou fait comme ça, parce que il y a un coût. Et bien que moi explorer ça en pile, parce que je parlé avec un personnel dans la diplomatie qui t'a expliqué moi que mais qui possibilité de gagner pour me faire. Mais pendant que lui expliquait ça, le moyen c'est garder bagaille là bien, moi c'est pas un bagaille qui est facile. Alors là maintenant, comme je dis à moi, je que bon, mon synergie que moi essayer dégager là en toute instance concernée pour nous si nous sommes capables comme si nous avons présent sur tous les fronts. Et moi c'est que à travers synergie ça cap dégager là, on a fini par joindre et moyen pour que tout le monde accommode et puis pour bailler service que normalement nous t'as supposé bailler. Il y a un groupe haïtien qui est en situation difficile dans la zone Panama. Et fait moun kap vive à l'étranger ou comprendre parce que c'est pour yon émission ça. Et dans qui situation justement et haïtien ka rentré en contact avec ministère là, nous va regarder ça après pour ça. Toujours c'est là y a estimer que on haïtien ka gen l'autre bois ka vive à l'étranger ka gen et que li ka solliciter et aide bien support ministère haïtien ka vive à l'étranger autant coup par exemple dossier Panama ou au courant de li. Oui, au courant de dossier Panama et moi te gagne et des monde qui t'a approché directeur général là directement. Et directeur général là, alors directeur général ministère là, madame Jean-Louis qui était pratiquement et même commencé à faire des sollicitations et auprès de l'ambassade de Panama ici pour te garder comme si comment nous t'es rentré dans le problème non pour te garder qui j'en étais capable de gérer. Mais ministre Claude Joseph était entré dans le problème dans lui-même et me pensais que de là gagné de bagaille que ministère affaires étrangères a passé gérer là pour moi-même m'a retiré et comme moi et moi juste à peut garder à distance et puis rester là en support parce que vous connaissez et problème qui vient Panama c'est pas un problème de passeport seulement que lié. Les gars pile à revoir avec diplomatien, c'est ça que fait, okay. Ouais, ministre Claude Joseph qui est en rencontre avec chancelier panaméen, les gars fait la parole. Démarche, la paix, et je crois que n'a pas avancé pour nous donner une solution. Parce que, bagaille en pile guerrier, et pendant ma vie, bagaille en pile là, moi-même, il y a des coups de fil qu'on recevoir, l'homme recevoir coups de fil, surtout la période de pandémie, en fait, déclarée. Et ici, nous t'es obligé de prendre disposition pour te fermer aéroport et tout ça. Et mon cher, moi j'ai un jour soir, mon grand coup de fil me recevoir de un concitoyen qui était juste Pays-Bas. Tu dis, moi, ministre, dégagez pour voir si le gouvernement te qu'à mettre un avion disponible pour venir prendre nous parce que nous t'es 80 haïtiens qui en difficulté, non fermé, non quarantaine, non bagaille, mais. Et bayon pile, parce que des fois le monde y a l'autre pays fait tel bagaille, l'autre pays fait tel bagaille. L'autre pays bah, support. Pendant que mon y a dit ça, mon y a pas réalisé que pays a dit qu'a fait ça, et ressources disponibles. Et nous-mêmes, au compte qui j'en bagaille là et là, et bagaille là, nous gagnons, mais nous là, tout le monde a critiqué. Et écoutez. Voilà, si vous avez aimé, tant mieux. Si vous n'aimez pas la vie, continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Bonjour, allez, faites du bien à tous. Bye bye.